1 Yeah! Ça va les amis? C'est bien un nouvel épisode de Yatotech, c'est l'épisode 23. On va se taper les bas tous ensemble. Je suis en train de évidemment tout paramétrer. Voilà. Excellent. Comme ça je vous vois, vous me voyez. J'espère que vous allez bien. Qu'on va passer une super journée. On va peut-être jouer une petite paire d'heures, c'est pas trop demandé je pense, hein. Y'a quoi dans les options, tiens. Je me suis toujours demandé. Toute ma vie. Oh, tu peux changer la langue comme ça, c'est bien en vrai ça. Très bien. Et ben on va continuer. Allez c'est parti. Oh yeah. Alors pour rappel. On a chopé Raikou, on s'est battu contre le professeur Tech. Et on est allé purifier des Pokémon à Samaragd. Et du coup ça nous permet de. Là il faut qu'on lise nos mails. Évidemment je vais prendre les légendaires dans mon équipe, hein. Je vais pas prendre la tête. Énergie, tu es très très gentil, on n'a pas besoin de toi. Voilà. Hein? Hop là! Et du coup, on va lire nos mails! On va sortir d'abord pour profiter de la musique de. C'est les mieux quand même. Alors. Et oui, effectivement. Hop là! Si vous trouvez des données dans le labo Pokémon Obscur, surtout venez me les apporter à Swireb. Je vous attends net. Très bien. Bien, allons le voir dans ce cas. Prochaine mission. Ça pirate. Petit week-end là qui arrive, c'est bien. Vous allez faire quoi vous ce week-end? Moi, je vais chill au max. Déjà demain, il y a moins que je stream. Dimanche tournoi, lundi tournoi. Ah. Vraiment tout le temps l'esquiver, c'est dingue ça. Après c'est l'expé gratuite I guess, mais bon. Bon, faut qu'ils soient interdits, je le prends quand même. Personne peut m'en empêcher. La tour titanite. Probablement notre prochaine destination, hein. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Yo! Comment ça s'est passé? Tu as trouvé des données? Je donne le Discord.
Oh, voilà qu'elle est intéressante. Vite, essayons de voir ce que cela contient. Évidemment, il va le faire en direct devant nous. En mode hacking. Je dis ce qu'on tient la liste des Pokémon obscurs qui ont été créés jusqu'à présent. Le problème, c'est qu'elle a été effacée. Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais essayer d'extraire les données contenues dans ce disque ROM, même si ça veut dire l'examiner octet par octet. Attention, là, on a le premier jargon technique. Dès que j'ai du nouveau, je te contacte. Putain, j'ai le OK. Ça y est, c'est foutu. Donc la tour Titanite, c'est là où tu veux aller toi. Bien, ça tourne comme il faut. Ok. Tatati. Ouais, ça c'est vrai ça. Mais du coup, il y a une ville souterraine avec des émissions et des trucs et ils peuvent que sortir par un ascenseur. C'est trop chelou ça. Peut-être aussi c'est fait avoir. Je me demande si ce sont les ennemis qui sont vraiment faibles ou si c'est l'ennemi qui est si fort. Aggro. Ok, est-ce que quand je me casse, ça me propose la tour Titanite comme nouvelle destination ou est-ce que juste en sortant. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé à la surface, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Dans le montage, j'ai vu une tour gigantesque, vraiment dantesque. En tout cas, je crois bien avoir vu un colossal au sommet. Ah, elle est finie la tour Titanite du coup. Un merde qui va l'utiliser la tour pour assembler les fournisseurs à leur prochaine domination pleine de terre. Ok, donc c'est là où il y avait le chantier, j'imagine. La tour est dantesque. Ça paraît assez évident, hein, notre prochaine destination. Je fais esquiver au cas où elle me régresse, elle. Hop là. Exact. L'immense tour finalement complétée, base principale du groupe Ombre, elle abrite un colosseum. Oh, elle est stylée la tour. What the fuck? Oh, le similar breton. Ah ouais, c'est vraiment, c'est fancy quoi. Veuillez nous excuser pour cette attente, je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Bienvenue à la tour Titanite, aujourd'hui c'est la grande ouverture. Bah ouais, c'est la teuf. Oh là là, allez à gauche. Tu m'as fait perdre mon coup, va pirate mec. Mais perdre encore, ça peut pas continuer mec. Cette fois, tu vas me laisser la victoire. Let's groove. On va laisser tomber ça pour cette fois, direct combat. Ok, donc là je vais juste affronter des mecs, les trois admins d'affilée, I guess. C'est chelou non? C'est un peu chelou je trouve. Les chiens légendaires j'imagine quand même. Sinon ça serait chelou. Est-ce qu'on va quand même faire ça, on s'en fout. Aucun respect. Ah. Avec le bélier là, c'est probable. Ok, il a pas de calme. C'est vrai que cette tornade c'est vraiment nul quoi. We'll be right back.
faire charge noire, hein. C'est vrai que plus rapide. Aïe aïe aïe. Sukuna aussi va tomber, je pense. Il est tanky, hein. Double focus les deux en même temps, j'imagine que ça passe. Ouais, et comme ça le surf il attaquera les deux prochains. Pas mal ça. Avant de mettre tornade à lui. Des petits colons. Parapapsi et tornade. Hello Bibi, ça va quoi? T'as raté le début, mais en gros, j'ai regardé mes mails et il y a, tu sais, il y avait un chantier en construction pendant un petit moment. Bah la construction était terminée, c'est une tour. Et en fait, c'est la base de la team. Et là je suis arrivé dedans et il y avait des chemins, j'ai pris un chemin au pif, je suis caché tombé tête à tête avec Boudisco qui m'a attaqué. Donc pour le moment, pas beaucoup plus que ça. Tu vas bien? Il est en train de casser la tronche. Il est en train de m'éclater. J'imagine que ça va être un boss rush, ouais. Je pense. Merde. Aïe aïe. Ok, je vois. Bon, on est en train de perdre, hein. On est en train de perdre. On est en train de perdre. Ah ouais, la tronche. Je trouve pas très beau ce Pokémon. Ok, il va être KO tout de suite. Ah ouais, là il est vraiment, il est foutu.
Lui, je savais qu'il allait perdre son temps à faire dans ce puits, donc c'est pour ça que j'ai refait Zebit. Et comme ça, on peut finir tout de suite le Armaldo. Mais j'ai raté l'attaque visiblement, parce que je sais pas, il est débile, sauf que Capoeira il est aveugle. Donc je prends un crit. Bon, très bien. Dans ce cas, on va le finir avec ça et on va. Et ouais, mais cascade, c'est une attaque de priorité. C'est abusé, hein. Ah, t'aimes bien Anorith ou Anoris? J'aime pas trop. Vraiment, les fossiles, je trouve les meilleurs, les seuls qui sont vraiment bien, c'est la première gen. Genre. Kabuto qui se transforme en Kabutops, Ptera. Et merde, Amunistar. Eux ils sont craqués, tu vois. Le reste c'est vraiment. Ouais, mais Amunistar c'est pas son évolution. Et allez. Un freeze? Non, ça va. Mais pourquoi triple biais, ça peut ne pas toucher trois fois? Je comprends pas, c'est abusé ça. Ça vient de ta connexion, je pense, Bibi. Ce Kun, il est tanky, mais il va perdre contre Ludicolo. S'il le fait sur le slot de Suicune, c'est vraiment de la triche. Donc il regarde le. C'est juste un tricheur, ok. Ah, tant pis, on va. Attends, c'est Suicune qui joue pas. Yo Toups, ça va quoi? C'est ça que j'aurais dû faire depuis le début, juste le bourrer en fait. Ouais, il me fait bien galérer cet enfoiré. Mais c'est bon, j'ai compris comment le battre. Depuis tout à l'heure, j'essaie de jouer stratégie machin, je vais le outbourrer et je vais gagner juste. Ouais, Onibo, ça va quoi? Non, c'est pas ça que je fais.
après je l'avais grave sous-estimé aussi, genre je suis arrivé en mode c'est bon, je vais juste faire attaque, attaque, attaque et ça va passer, tu vois. Que nenni. Ça va les amis? C'est le week-end là. Vous allez faire ce week-end. T'inquiète, on va gagner comme d'hab. Hein. Tu vois ma casquette là? Elle fait de moi un maître Pokémon. J'ai juste Axe. Morsure et Haute Folie, c'est soit il se tape, soit il a la trouille. Voilà, hein. Puisque le jeu me pousse dans mes derniers retranchements. On fait des vrais strats, hein, puis voilà. Hein. Allez, dégage, gros nul. Je peux pas gagner alors que j'ai réduit le rythme dans la peau. C'est ce que je me dis quand je perds moi aussi. J'ai des points communs avec Bull Disco quand même. J'ai perdu pour de vrai, c'est défaite totale, hein mec. Bah c'est pas grave, allez tiens prends ça, yo. Ok cool. C'est un cadeau de notre grandiose chef. Mec sans ça tu pourras pas aller plus loin. Bah ça intéresserait peut-être plus indiqué pour ta santé mec. Et après il fuit comme un lâche, très bien. Bon alors on va faire un petit aller-retour pour se soigner. Et puis c'est parti, on continue. J'ai peur de dire une bêtise parce que j'ai vraiment pas capturé beaucoup de Pokémon et j'en ai pas rencontré énormément non plus. Ah ouais? Let's go, tant mieux. Mais je crois qu'on approche de la fin, hein. On dirait en tout cas. Il y a une ambiance fin du jeu là. À moins que ce soit genre peut-être la première moitié du jeu et qu'après ils sont en mode ah maintenant t'as débloqué un deuxième truc machin, mais là j'ai un peu la sensation que c'est tu vois, il y a la tour, la team ombre et le Pokémon obscur. On est déjà à un peu plus de 10 heures de jeu. Mon gaming sense me dit que peut-être la tour c'est un des derniers trucs du jeu genre. Et après il va falloir capturer. Peut-être même que c'est quand on finit le jeu qu'on débloque le Pokédex pour de vrai. Je sais pas. On verra bien. Alors attends, c'est quoi ma starting team là? Je suis pas sûr parce que je pense. Tu devrais avoir des combats genre 60-70. C'est pas un très bon indicateur le niveau des Pokémon parce que. Ok, on commence avec les Pokémon niveau 25, ce qui est tard, enfin ce qui est élevé quand même, c'est le seul jeu qui te fait commencer aussi tard. Mais en même temps, la fin de jeu Pokémon de base, si tu traces, tes Pokémon sont à peu près niveau 50. Hein. Dans la première gêne, le Peter il a des Dracolos niveau 55, hein, c'est pas. Et après, ton rival il a des Pokémon niveau 60 max, tu vois. Là, ok, on est plus dans les 40. Ouais, on est plus dans les 40 quand même. Ouais. Mais je sais pas. Vu qu'il n'y a pas de combat de Pokémon sauvage et de trucs et que c'est que des combats de dresseurs, ça peut jouer aussi. Hein. Ah, ici il n'y a pas tout de suite de la baston. Tout droit dans mes pattes, quelle chance. Votre petite aventure s'arrête ici, ouais. Tu vois là c'est quand même le boss rush classique dans les jeux, tu vois. Kaorin et Barbicha. J'ai bien fait de garder ce coup.
Badabadana. Ok. Ah ouais? Ouais, barbichet électrique, ouais. C'est pour ça que je le double focus. Je sais pas s'il est au sol. Au électrique. Je crois qu'il est au sol en fait. C'est pour ça que je le double. Je fais que l'attaquer. Il faut qu'il dégage quand même au cas où. Les dégâts de Pokémon électrique quand même. Ouais, c'est Anchoate, sa sous-évolution. Ce qui m'échappe. Lance Soleil. Ouais, j'aurais dû m'en douter en voyant Zenith en vrai, mais bon. Il est toujours pas mort, il va mourir avec le séisme. Si. Si. Il a pas la trouille. Il a la trouille, let's go. Bon, il va refaire Lance Soleil, donc ce qu'on va faire. On va switch. Non, on va switch. Le truc c'est que qui va tanker le séisme? Parce que ça c'est super efficace sur un Tairaku. Il reste Mentali Capoeira, mais Mentali il a pas beaucoup de défense, on va envoyer Capoeira. En fait j'aurais dû refaire surf en vrai, mais bon. Ça va, je le tiens tranquille. Séisme, je vais le tenir aussi. En plus, il y a moyen qu'on le flinche à nouveau. Ok, on le tuera pas. Très bien. Il a pas intérêt à rater par contre. Sinon, ça va m'énerver. Ah, bah il va mourir en fait. Et du coup, j'aurais pas dû. Ouais, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Là je peux envoyer Mentali, il va manger un séisme. Mais c'est pas grave. Parce qu'évidemment là j'attaque pas le Barbichat. Il a un PV encore? Ouais. Il a littéralement un PV. Hello! Ok ça va. Pas, tu t'es régalé. Merde, c'est l'inverse. Ah, je croyais que c'était efficace. Fallait faire l'inverse. Bon, au moins lui, on s'en est débarrassé de toute façon. Fortress. Bon, Fortress, on va pouvoir l'éclater avec Entei. Donc ça, c'est toujours ça. Et là, pour commencer, on va faire protection. On va mordre lui là et on va faire protection. Très bien. Il a fait abri, personne n'a attaqué, personne lui a donné l'heure, donc on en a rien à faire. Voilà, ça c'est très bien. Là on va pouvoir le tanker plus voilà, tranquille. Nice. Allez, toi tu prends ça dans ta tronche. Très bien. Bon, par contre, maintenant, on va continuer d'attaquer lui. Parce que sur séisme, quand même, il prend un peu la tête. Et on va faire. Bon, on va quand même faire un Falpsy en fait. Il faut qu'on double focus, hein, tant pis. Nice, ce serait trop bien qu'il attaque pas. J'ai de la chance.
Alors Fortress, je sais pas ce qu'il peut faire, mais j'imagine qu'il va faire séisme aussi en vrai. Ah, les deux qui passent au 46 en même temps, c'est beau. Il est con. Il veut vraiment que faire séisme, hein, cet enfant, ouais. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais le poteau il veut même pas se feignant. C'est clair, son modèle 3D est juste là là. Je fais séisme. T'as pas intérêt à rater. Merci, c'est x4, ça dégage, allez hop. Démolos, parfait. Bégon lance flamme. Allez, surf. Water. Bon, ok, je m'attendais à plus de dégâts en vrai. Survive la petite sous écoute. Choqué de pas avoir tué, mais ok. Zénith. Si tu veux, hein, mais. Oui, il est complètement bête. Ça me va, cela dit. Alors. Toi, tu vas finir ça, et toi, tu vas faire surf. En plus, le surf il va pas attaquer les deux maintenant. Non, mais après, s'il me fait des fleurs, moi je les prends. Hein. Pas la question. Ah, je me disais aussi qu'il y avait une embrouille. Il commence en premier, il est relou. Hein. Peut-être je le tue avec écrasement quand même. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un fou sardine, je suis dégoûté. J'aurais trop essayé de l'attraper. Bon, Dakim, on l'a éclaté. Et par ce minus. Bah ouais, mec. C'est ça d'être chaud, hein. En combat, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai perdu que contre monsieur Jakila et toi. Tiens, prends ça, un passeport pour l'enfer. Yeah, merci. Je suis abandonné, c'est maintenant. Faut rentrer à la maison, maman t'attend. Il m'a bien clashé. Ça parle mal quand même, hein, pour un loser comme ça, là. J'aime trop comme d'un coup tu reviens là et c'est en mode... Ouh. Je viens pas d'éclater deux mecs en combat singulier. Regardez les statues similaires.
J'aimerais bien avoir ça en déco chez moi. On va même sauvegarder parce que c'est un peu chaud là quand même. Alors, bon bah normalement le prochain combat c'est Vénus, après il y aura Tech et après il y aura Jaquila. J'imagine. Ah là c'est la teuf, on continue de... Ah non, ok pardon. Pardon, j'ai rien dit. Évidemment, il y avait la machine à soigner juste là. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce bâtiment est trop grand et vous êtes perdu? Non. C'est bien, mais faites attention. Tournez dos à l'ennemi, vous manquez en temps d'expérience. Ha! Vu ta manière de combattre, il te faudra plus de vie qu'un chat pour arriver à quoi que ce soit. Je me suis fait avoir. J'ai bien fait de me faire confiance finalement. D'être parti me heal avant parce que sinon... Je pensais pas que j'allais le one-shot, mais tant mieux. C'est vraiment mon OST préféré, je pense. Un peu penser à l'OST de Mewtwo dans Pokémon Stadium 1, qui est une de mes OST de Pokémon préférées ever, genre. Ça baisse ma défense ou pas? Alors attendez, je viens de me souvenir d'un truc. Ok. Et du coup maintenant on peut quand même se soigner et faire un peu de notre vie. Ça c'est très très bien. Oui, très bien. Ouais, j'ai oublié, je suis bête. Fallait envoyer un lien à quelqu'un, j'ai oublié de le faire. Hop là, allez, on continue. C'est par où les gars?
dois choisir genre? Tout droit. Je choisis toujours les femmes. J'ai un vrai casse au cou quoi. Ça c'est bien vrai. Genie. Parce que il fallait que je lise le mail pour savoir quoi faire quand j'ai lancé la partie là. Je sais pas si tu viens à l'épisode précédent. J'ai reçu un mail et j'ai sauvegardé et j'ai coupé l'épisode. Et du coup j'étais en mode merde, faudra faire quoi après? Et bah tu vois, fallait lire ces mails. Et je m'en suis souvenu juste au moment où j'ai lancé le stream. Je m'en souvenais pas avant. Et d'un coup ça a fait genre éclair de... tu vois. Là ils vont tous les deux faire zénith parce que c'est des abrutis, tout le monde le sait. Peut-être lui va avoir peur, on sait pas. J'aime trop Eliatron. Regarde-le là. Pour un coup il fait. Bon. Non, attends. On va continuer de faire morsure sur lui pour l'attraper. Et on va juste déflagrer, on va déflagrer le Cotovol, on s'en fout du Cotovol. Ouh, tu m'as fait mal. T'as failli gagner. Eh ben bravo hein. Regardez l'animation quand il prend un coup le... Oh 45 c'est bien. Quand il prend un coup le Eliatron. Oh shit. Ok. Pourquoi d'un coup il fait un peu comme... C'est un speed tie avec Noctalie. Ça régale. Bon déflag au toi. Hop là. Croissance. Oh mais t'as un auto par contre. Ça va bien. Ah, il a tout qu'à planter. Ok, c'est bon, c'est revenu. Ah, ça y est, le stream il en a. Il en peut déjà plus, genre? C'est abusé! Il est même pas chaud le boîtier, genre. Cela me choque. Super bol. Toi, tu refais Zenith, mon gars. C'est abusé que ça plante. C'est abusé que ça plante. Allez, s'il te plaît, marche. Ouais. 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 Oh. Oh. Bon. Alors, on va faire morsure. Parce qu'elle écrit Pipesta, bah ouais, elle bug. Pas de crit. Merci. Ah
Ah merde, c'est vrai. T'es genre avec le boîtier 4G, je sais pas quoi là. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yeah. Quoi, j'ai perdu? Pourquoi? Damn. Bon, au moins t'es sur un PC déjà. D'ailleurs, ça y est, ta journée elle est terminée là. Tu peux te relax. See you tomorrow, genre. C'est très très chiant les petits cinématiques tous les deux pas, mais bon. On a 20 Pokémon. Devinez les cartons qu'on a rapatriés là après manger. Oh aïe aïe. Après le plus vite c'est fait. Plus vite vous êtes tranquille aussi. C'est bien de le faire même en dès que vous pouvez genre. Moi je sais que d'habitude je déplace tout et après je range tout tu vois. Je fais pas un peu des deux genre. Tu penses pouvoir me battre et continuer ton chemin? Non. C'est une sage décision. Oh, un Onyx. Yo Venus, what's up? Eh ben les enfants, vous êtes pas un peu en retard, vous m'avez fait attendre. C'est le combat décisif, cette fois je retiendrai pas mes coups. Ah bah ouais hein, c'est normal ça le délai là. Après, de toute façon tu vas avoir la fibre très bientôt hein. Mais oui, oui, c'est logique, hein. Après, moi, j'ai mis des options pour qu'il y ait le minimum de délai possible. Mais bah, ça dépend des connexions aussi de, voilà, des spectateurs, hein. Bah, on va attaquer le joli Flore, en fait, parce que là, il va nous casser la gueule, sinon. Pas. Ça va être bien. Ok, je m'attendais à faire plus de dégâts quand même. J'espère qu'il va être flinch, sinon on est dans la merde. Yeah! Yeah! Pas de paralysie, pas de paralysie, pas de paralysie! Pas de paralysie! SVP! Nice. Non, t'inquiète. Enfin, si, tu pourras peut-être pas jouer Day One quoi. Mais après, mercredi, on peut faire un truc si tu veux. Enfin, moi, je pensais à peut-être streamer le Day One. Mercredi prochain, là. Streamer la release. À partir en mode training, regarder des vidéos, apprendre des combos en stream. Même pas faire de ranked, juste vraiment apprendre des trucs basiques. Et faire du casual match ou du battle hub. Nice. Bon, j'aurais pas dû garder sous le coude sur le terrain là. J'ai abusé. Ouais, bah c'est pour ça, tu vois. Mais après, sinon, je réfléchissais, je me disais si on fait pas ça, on peut juste faire une session à la maison. Tu viens et on joue et je prends Akuma et j'apprends Akuma en t'éclatant ta tête, tu vois. Les deux c'est valable, hein. Les deux c'est jouable, hein. Oh, Etei, t'es aveugle, frérot. Allez, ce flinch. Gros doudou. Bomber, ok, on s'en fout. Critique, évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Plaquage qui a paralysé, évidemment. C'est sûr, je suis paralysé, je le sais. Ah, ça régale. Allez. Pierre potion. Ouais, bah vas-y, hein, mets-toi bien, hein, tu vas te faire one shot. Il s'est pas fait one shot. Ah. Ok, il brûle. J'ai pas acheté de quoi il. J'ai genre une potion max. Oh. C'était le meilleur tour que j'ai jamais fait de ma vie.
Raichu? Sérieux? Vas-y Raichu, je sens qu'il va être chiant, donc on va cache le focus. L'autre il fait juste plaquage, c'est pas très très important. J'aime trop Raichu. C'est notre Pokémon préféré. Ah ça c'est bien, le plaquage il fera moins mal. Ah, il survit. Mais il est chiant. Tout va bien. Quand c'est utile, on le prend quand même. Doux baiser. Ça baisse l'esquive ça ou la précision, un truc comme ça, non? Très mignon. Ça baisse. Ah, ça rend confus. Merde. Confus para. C'est la base. Hein. Ok, tu vas réussir à attaquer, tu penses? Pas forêt. Ok. Attraction. Ah, ouais, d'accord. Là, on a plus le droit de jouer là. Après c'est Capoeira qui prend tout donc ça va. Bon il jouera pas je le sais, c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même réessayer mais... Bon il va se faire one-shot. Franchement c'est pas grave. Ça me va en fait. Ça, c'est parfait. C'est parfait, comme ça quand il meurt je peux switch mentally. Je m'occupe de Feu Forever en attendant. Si là il attaque le Capoeira j'ai tout gagné. Comme ça je me prends même pas d'attaque sur le switch-in. Mental il arrive, il va faire carnage. C'est parfait. Par contre est-ce qu'elle a encore des Pokémon derrière ou pas? Ou est-ce que c'est ces deux derniers? Si c'est ces deux derniers on est bien, sinon peut-être c'est, ça peut être chaud. Elle est encore en derrière. Gros doudou dans le slam, ouais I guess. Oui! Allez, c'est qui le dernier là? Feu Forêt, il meurt où au prochain tour? Milobelus. Ok, ça ira, je pense. Onde folie. Oh, une onde folie est relâchée! Woup, woup! Il est devenu dingue! Allez, c'est parti, meurs! Japonais de gros doudou. Gros doudou c'est Pouline. Gros doudou je crois que c'est Pouliline ou un truc comme ça. Des fois ils se font pas trop chier hein. Nice. Sois confus tiens. Attraction. Sur lequel des deux? Ok, en vrai c'est un peu relou mais ok. Faut continuer de faire morsure donc de toute façon c'est très bien. Et toi faut juste que t'aies de la chance maintenant. C'est pas très grave. Attaque toi. Va me faire chier. C'est comme en fait il attaque en deuxième. Noctali, enfin en dernier. En troisième en fait du coup. Je disais en deuxième dans ma team mais je peux pas le flinch en fait, le Milbellus. On va faire provoque pour être sûr qu'il fasse que surf parce qu'on en vient de capter qu'il faisait pas beaucoup de dégâts avec. T'es sur un genre de conseil des 4 là? Je crois que oui mais je suis pas sûr. Je sais pas exactement en fait.
Je crois qu'il tiendra pas le prochain mental. Je me demande si je ferais pas mieux de switch. Parce que j'ai Suicune encore. Non. J'ai Raikou, mais Raikou il a pas de... J'ai pas d'attaque électrique avec. Il est obscur là, il a juste charge noire encore pour le moment. C'est vraiment un tank. Mantali fait beaucoup de dégâts, mais en fait Noctali il est tellement plus utile quoi. On va voir ce que ça fait force cachée, si ça fait plus de dégâts parce que... Attaque toi s'il te plaît, au moins une fois quoi. Ça c'est quand même abusé quand on y pense. Il est confus, ça a rien fait pour le coup. Depuis le début ça a rien fait. Ça fait à peine plus je crois. Je suis pas sûr. On va continuer de faire force cachée du coup. Toi t'es en mode hyper donc de toute façon on va t'appeler. Pour baisser un peu ta barre. Parce que peut-être t'auras une attaque intéressante en deuxième. J'aime trop Raikou, il est trop cool. C'est celui que j'aimais le moins avant et je crois qu'aujourd'hui c'est celui que je préfère des trois. Bon bah ça va, je crois qu'on a gagné hein. Tranquille. Allez, ça c'est fait. Grincement, grincement, ça attaque l'attaque, ça dépasse l'attaque de 2 quand même. Peut-être que c'est quand même plus utile que... Peut-être que c'est plus utile que provoque en vrai. Ah ça baisse la défense. Je pense que je vais mettre grincement à la place de provoque. Provoque c'est bien hein, mais... Peut-être que ça sera plus utile de baisser la défense des mecs et de les éclater. Oh non, la coupe est pleine. Trop craqué, elle a une lune derrière elle qui vole. Comment ça genre? Trop craqué. Design de zinzin. Perdre à nouveau, je ne peux pas le supporter, c'est trop pour mon amour propre. Prenez ça et en échange je n'oublie ce combat, d'accord? C'est ça, j'ai oublié que nous avons combattu, il n'y a pas eu de combat. Hihihi. Fair enough. Moi je comprends son point de vue perso. Bon évidemment on va se soigner et après on va lui régler son compte à lui là. Lui là. Celui-là même. Papop papop pop 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 pop. Putain c'est long. Soigner d'abord. Oh yeah. C'est super long, c'est super long putain. Ok alors. Bon après lui c'est un random. A priori on peut l'éclater avec... Mais non mais je vais quand même y aller full DPS là. Suicune il a rien de bientôt être purifié donc on va le garder. Oh oh tu penses pouvoir me battre et continuer ton chemin? Bien sûr que oui. On peut voir sur les chances, t'as une chance d'y arriver. Exactement.
Ok. Ah ouais, on est vraiment à ça de très bien. C'est qui? C'est lequel? Cas d'oiseau? On va l'attraper. On va l'attraper. L'attraper. On va l'attraper. J'espère que je vais pas le one shot juste. Comme on a failli one shot ce cochignon qui va peut-être s'attaquer, ça serait super. Cadeau, heal moi. Oh merci. Ah, cochignon, je l'aimais pas, et maintenant que j'ai vu ses yeux, je l'aime bien. Ok, tu peux en prendre un deuxième dans la tronche toi là. Avant que je t'attrape. Attaque-toi toi là, qu'on n'en parle plus. Oh, ça te tue même pas. Mais allez gros, t'es sérieux avec nous? Bon, très bien. Oula, je crois que la charge noire va le tuer en fait. J'ai abusé là. Je pensais que Météor ça allait vraiment pas lui faire autant. Oh oh. Oh oh. Fantominus. Oh, il est trop moche. Ah, oh, il est trop laid. C'est abusé comme il était moche. Je suis dégoûté. Bon, Fantominus on l'attrape. Hop. Putain, il s'énerve. Chier. Bon, très bien. Mais du coup, tant mieux en fait, parce que comme ça, je tue pas. Je vais refaire Météor pour le mettre à peu de vie. Suicune, on va officiellement aller le purifier juste après ce combat. Ah merde, mais j'ai 10 PV. Putain, je regarde. J'ai rien capté. Ok, ça va. Ça, c'est bien. A priori, la montagne va se faire mettre KO, mais c'est pas très très grave. Tease. Très bien. On va mettre Entei, on va le déflagrer là. Allez hop, et ça dégage. Après, il faudrait que je joue avant lui quand même, parce que séisme ça fait mal sinon. Charge noire. Hop. Il court, il met un petit tackle comme ça avec son épaule. Il régale. Ah, fais gaffe, te tue pas non plus hein. Alors, déflagration sur Oniglali, et là on va envoyer la Snatch Ball. Et oui! J'aime trop qu'à d'oiseau, il est trop cool. Let's go, Fantominus! Allez, s'il te plaît, c'est bon. Allez, hein? Pas l'enfant. Oh yeah! Toi, prends ça dans ta gueule. Meurs. Oh yeah. Ça s'appelait comment cet abruti? Zane. Non, c'était trop rapide. Bah oui gros, t'es un sbire. J'ai battu tous tes admins. Tu crois que toi tu vas faire le poids? Franck, réfléchis 2 secondes, mets-toi sur le côté et casse-toi genre. Faut tout leur dire à cela. Je le voulais, Fantominus. Désolé. C'est la dure loi des Pokémon. Le bon Suicune. Oh yeah. On va à Samaragd. Le bot il a bugué. Eh oui.
Rapapa. Allez, danse pluie, ouais, bon ça je m'y attendais. 18 points d'XP, ça fait combien ça? 41. Onde boréale, évidemment qu'on va le prendre. Oui. À la place de gros yeux, hein, évidemment. Gros yeux, bon. Semaine prochaine, je rentre au Bercail voir les petits frères le temps d'un week-end. Je vais leur inquiéter des dessins pour me décorer mon bureau. Oh, let's go! Attends, mais week-end prochain, moi aussi je suis à Nîmes. C'est trop drôle. Et le ruban, ok. Limite, on pourrait se capter à Nîmes, tu sais, ça serait trop drôle. Manger un bon colosse là. Un bon colosse des familles là, avec le toups. T'as déjà pris tes billets de train et tout ou pas? Parce que du coup, y a de la place dans la voiture avec le toups. Si jamais. Ouais, moi je plug les gens comme ça. Je m'en fous en fait. Je suis comme ça moi. C'est ça, je suis à Lille. Je vais à Lille le week-end prochain. J'ai envie de manger un bon flammekuch là. Une bonne frite fricadelle. Tu m'en diras des nouvelles, hein. Boire de la bière. Comme les Belges. Non, c'est pas. Non. Mais c'est pareil, de toute façon, c'est à côté. Après, je vais vendredi sur tard, j'en ai samedi à chat, et peut-être on se capte là, et le dimanche matin tôt, je rentre. Ah ouais, ok. Ah bah oui, c'est vrai, tu taffes après. Moi, je crois. Je sais plus si je pars vendredi, le 24, le 25. Je sais plus. Je ne sais plus. Mais on peut parler des détails en détail si tu veux. En DM aussi surtout. Pour regarder. Oula. Oula, ça a l'air un peu... Ah mince. Enfin mince. Non, c'est bien aussi. Là, je me dis, il y a Tech. Qui m'attend au bout, comme ça j'aurai les 4 passes. Y'a rien qui justifie le fait qu'il y ait un angle à faire, mais vas-y, ok, tu sais quoi. Ouais, ok. Alors. Franchement, c'est très. Tech, non, attends. Tech, il envoie beaucoup de Pokémon électriques, je crois. Oh, et vous êtes venu jusqu'ici bras dessus bras dessous en amoureux? C'est pas en vous croyant un pique-nique que vous allez me battre. Il est trollé lui. C'est quoi cette mèche de Golemon là? En tout cas j'ai bien fait de switch. Parce qu'il y a l'esprit en face. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord attaquer le. Bah, le Hellsprit en fait, parce qu'il risque de pouvoir nous. Ah! Chier. Double focus, tu sais. Danse pluie. Donc, il va faire Fatal Foot. On va lui arracher sauvagement sa mèche d'un coup de dent. Ah! Chut, manchette! Bon, il a fait un Fatal Foudre, hein. Tout le monde le sait, donc on va attaquer le Hellsprit. Ok, d'accord. C'est qui prend? C'est Mentali, j'imagine. Ouais, je meurs pas, je m'en fous. L'équipant, il a pas Fatal Foudre, je suis paralysé. Ok, donc je vais jouer en dernier après l'équipant. Synchro aussi, c'est très bien. Ensuite. Même! Soit confus, même, tant qu'à faire, non? Très bien. Hop. J'ai oublié de prendre ma Switch. Ok, bon, ça c'est fait. Alors maintenant, Rhinophéros. Il a Fatal Foudre, Rhinophéros.
crois que j'ai oublié la mienne. Bon, je pense que je vais sacrifier le Pantali là. Je pense que je vais sacrifier le Pantali. Malheureusement, il est dans la merde là. Au cas où, on va essayer de se protéger, mais. Ok, c'est pas le plus rapide. Coup critique. Ça, c'est un coup critique. Dans ma messe. Chier, hein. On va envoyer Capoeira, on va essayer de défoncer ce Rhinoceros avant de quoi que ce soit là. Ok. C'était un mauvais choix de Pokémon. Mauvais choix de Pokémon. Alors c'est pas grave. Tant pis, on va attaquer qui on peut. C'est-à-dire mes équipements. Ouais, dans la troisième génération, t'attaques que les deux devant toi. Ça a été nerf ensuite. Parce que c'était vraiment fort quand même. Bon, là il y en a un des deux qui meurt a priori. Voir les deux en fait, en fonction de ce que les dégâts que font le surf. Les deux meurent. Les deux meurent. Parce que là, surf, tunnel, ça va attaquer Capoeira et je pense qu'il le tankera pas. Je peux attaquer sur le coude, mais bon. Ça va. Ok, bah ça va, sympa. Ok, là on va faire surf et on va faire triple pied sur Rhinoceros maintenant. Je dois pas faire abri honnêtement. Sur le équipement, ça me va, comme ça il attaque pas très bien. Et on va juste double focus l'autre. Allez, ça dégage. Très bien. Je m'attendais pas à ce que ça fasse autant, ça me va complètement. Tiens, prends un crit toi. Là, l'autre qui arrive, il va se prendre un triple pied. Staros. Sa strat, c'est vraiment dans ce prix Fatal Foot, ça me régale. Ok. Voilà, il va mourir, c'est sûr. C'est pour ça que je le laisse partir en paix. Et je vais envoyer Noctali. Noctali qui peut avoir éclaté Staros. Et Borel, si je dis pas de bêtises, vu qu'il est haut, vol, c'est juste x2 quand même. Parce que haut, c'est neutre. Et vol, c'est ça craint, je crois. Non, c'est neutre parce qu'il résiste. Haut, ça résiste à glace. Dans ma tête c'était glace qui résistait à eau, mais en fait je crois que ouais. Dommage. Bon, c'est pas bien grave, cela dit, ça change pas grand chose. Morsure et Boréal à nouveau. Surf parce que c'est stabé plus. Faut qu'il le tienne. Normalement il le tient, il aura pas beaucoup de vie mais il le tient. Ouais. Il va jouer avant le béquipant. Ok. On est là hein. Ça c'est les dégâts qu'on peut gratter, c'est très bien. Je pensais que ça le tuerait quand même malgré tout. Parce que là du coup le Bekiban il va finir le Suicune. Et ça c'est problématique. Les deux ont un PV. Putain c'est relou. Ça s'est joué à ça. Bon tout n'est pas perdu hein, cela dit. Noctali il est intuable. Mais c'est dommage pour Suicune. J'ai qui d'autre là? J'ai plus que Entei. Et ouais c'est ça le problème. Bon, on va faire Zenith. Ouais, de ouf. Après, c'est normal. Il résiste à. Il résiste à vraiment à machin. Puis c'est une attaque moins forte, triple pied de manière générale. Bon, alors là, on va tuer Staros. Et.
Et en fait, on va juste tuer aussi Bekipa, on s'en fout. On va pas se prendre la tête. Faut tenir l'hydrocanon. Bah voilà, parfait, c'est bon. Allez, ciao! Dans cet enfer? Ok. C'est dommage que Mentalis soit KO parce que. On aurait pu le one shot, je pense. Mais c'est pas très grave. Là, on va faire Zenith quand même au cas où. Parce que ça peut-être qu'il a des moves designés pour le. Alors, a priori, je suis plus lent que lui, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon. Parfait! 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 Allez hop! Voilà! Voilà! Bah là on va le 11 folie, tranquille, et on va le. Déflagration, stabé. Toxique. Ok, il va faire toxique abri, toxique abri, toxique abri. Ça je connais, je vois très bien. Il pourra pas me lame out comme ça. On est tranquille en fait. Une folie et je vais. Ah, j'ai plus provoque. Dommage. Peut-être que j'aurais dû garder provoque en vrai là, parce que c'est vrai que les mecs qui font abri maintenant, on est un peu dans la merde en fait. Et oui. Bon, c'est pas très grave. Là, il va refaire Zenith abri a priori. S'il s'attaque, on a gagné. Et voilà le travail. Pour ça qu'on te folie trop fort. Hein. Allez, rate. Le touche-le quand même. Le rate pas. Merci. Ok, super. Bon, on a battu les 3 admins. Enfin, les 4 admins même. Donc, on a tous les passes. On va pouvoir passer la porte, machin. Je vais soigner mes Pokémon. Sauvegarder. Vous mettre à l'endroit où il y a la musique cool et je vais faire un petit passage aux toilettes. Comme ça vous pourrez juste profiter de la musique, vous ambiancer. Et puis on pourra avancer dans le jeu. Ça vous va? Ah, t'es vraiment pénible à voir comme ennemi, Yato. Bon tiens, tu peux utiliser ça pour ouvrir la porte. Oh yeah. C'est gros Chico. Et ouais, et en plus le modèle de. C'est le modèle de PlayStation, j'allais dire encore. De Pokémon Stadium 2. Ok, il y a un mail, c'est intéressant. Et il est trop bizarre le modèle de Pokémon Stadium 2, genre. Il a vraiment une tête. Il est trop léger. Tout 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 tout. Donc voilà, on va pouvoir aller là. Ça a l'air d'être la fin du jeu quand même, hein. Ça a une porte de fin du jeu, ça. Je suis désolé, mais. Après, il n'y a pas tant de Pokémon que ça à attraper en vrai. Hein, pour la deuxième gen. Il y a une petite centaine, même pas. Un peu moins en fait, parce que si tu comptes les prévolutions et tout des Pokémon de la première gen qu'on pourra choper dans Verfeuille, pour les Yatodex, en fait, il n'y a pas tant de. Bon, il y a quand même encore une soixantaine à choper, quoi, là, normalement. Hein. Donc c'est pour ça que c'est étonnant. Bah ouais, hein. À moins qu'il y ait un plot twist. Enfin, il y a un Colosseum après en haut, quand même. Donc on va regarder. On va regarder, on va. Hop là. C'est la fin du chapitre 1. Tu penses que c'est un truc comme ça? En mode, y a plusieurs parties dans le jeu. En vrai, c'est possible aussi, hein. Mais la carte, elle a déjà l'air bien, bien remplie, hein. Avec les villes et les trucs. Et les mécaniques. Voilà, je vous mets là. Voilà, vous pouvez regarder ce super simulacre. Allez, j'arrive.
Oh, fiesta, c'est la fiesta. ¿Cómo estás, amigos? Ça va? Autant on va dans le ciel ou dans le ou sous l'eau, mais tu sais, c'est possible, hein. C'est grave possible. Bon allez, retour, un peu de sérieux s'il vous plaît. C'est bien amusé, mais hey, c'est la tour Titanite quand même. C'est pas hein, c'est pas la fiesta hein. C'est super long, super long. C'est vraiment super long. Mais on est arrivé. Ah, faut que je dois j'interagis avec chaque truc. Oh là là. Wow. Qu'est-ce que vous racontez encore? Oh. Ah, ok. Tut tut, vous avez pas le droit d'aller plus loin. Mais comment ça j'ai pas le droit, j'ai 4 passes frère. Oh il m'énerve. J'ai mentalisé dès le début ou pas? Parce que là je one shot les deux. Yes. Allez c'est parti. C'est clair. Puis tout à l'heure il me va faire des allers-retours, il est en mode. Ah, ah non, non, là il... Non, là il... Ah, il veut toujours pas passer la porte, ok. Ouais. Wolfenstein. Ou Super Metroid. Ah, Scarino, on va l'attraper. Il est trop nul Raikou là, il est sérieux lui? Oh là là. Tourniquet, c'est trop nul. Bravo, toutes mes félicitations. Tu es très nul. Oups. Ah ça va. Ouh. Oupsi, j'ai débranché mon casque sans faire exprès. Ha ha ha. Casse-brique. Ça va les dégâts? Voir argenté, ok. Je capte l'ambiance ici. Alors, toi tu meurs et toi on t'attrape. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille acheter des bols en fait, maintenant que j'y pense. Ouais, plutôt une bonne idée. On va faire le stock. Après ce combat, on va faire un petit stock. On a acheté une dizaine, quoi. Ouais. Sérieux? T'es ouf, toi? J'y vais. Si dans une heure c'est toujours la bagarre ici, je reviens. Si vous avez le play. Bonne soirée, Bibi. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Des bisous. Bon, là, normalement, il y en a un qui est KO, a priori. C'est une attaque combat qu'il fait depuis tout à l'heure. Je suis vraiment abruti mental genre. Allez c'est pas grave. De toute façon on va l'attraper là donc.
Hein? Pas vrai? Pas vrai? Tu vas te faire attraper là. Sérieux? Franchement, c'est abusé. Hein. Allez! Ah, quand même! Tu régales! On m'avait pas dit qu'il était aussi fort! Bah, t'as pas fait tes devoirs, toi, hein, parce que. Tout le monde le sait sauf toi, genre. Bon, ok, il s'est fait éclater. Alors, on va se soigner, acheter des Pokéballs. Et on va enfin passer la porte. Ça va encore prendre 1000 ans, là. On va faire 50 ascenseurs encore. Mais bon, tranquille, hein. C'est la vie. Ici tout de suite, un truc à faire, ça ira plus vite. Elle est chelou cette région quand même, hein. Eh mon gars. Dix, c'est bien. Ensuite, des hyperballs, on va prendre 5 ou 6, voilà, on s'en fout. Des Pokéballs, on a combien? On a 4. On n'a pas vraiment besoin de plus de Pokéballs que ça. Filetball, on peut en prendre encore une petite douzaine. Chronoball, on a une seule. On va en prendre quelques-unes de plus. Ensuite. T'as pas de soin, toi? Ok, tu vends vraiment que de la bol. Ça marche. Un Poichijon dans le chat, tiens. Bon, moi, ça m'intéresse pas, perso, mais... Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien les Poichijons, on sait pas, tu vois. Alors ça c'est bon, en termes de bol on est bien. Ensuite on va aller chercher un peu de heal. Je pense que ça m'arrête que j'aurai ce que je veux. Tant qu'à faire, hein. Comme ça on est vraiment bien préparé. Choper quelques hyper potions, quelques super potions. Je pense qu'il y a des deux ici. Exact, allez, j'en voudrais 8, voilà. Et un peu moins de super potions, seulement 5. J'ai combien de rappels? J'en ai 5, c'est bien. Ok, on est bien. C'est super. Et on va pouvoir se regarder dans la tour directement. Avec nos objets nouvellement acquis. Oups, ça c'était le labo. J'ai raté. Voilà. On est bien là. Allez, en plus on a chopé Scarignon et tout. Oh yeah.
Ah bah bien joué pour le Pochijon Ramda. Oh c'est long. Le rythme du jeu quand même, il est un peu catastrophique. Hein. Genre je capte l'ambition du projet, mais l'exécution elle est quand même des fois... C'est fastidieux là quand même. Hein. Et il y a bien un Colosseum du coup. Félicitations, vous êtes le 1000e visiteur depuis l'ouverture de la tour. T'as marché hein, c'est n'importe quoi, la tour vient à peine d'ouvrir. C'est parti. Merde. Mais laisse-moi tranquille, en plus j'ai reçu deux mails et j'ai pas regardé comme un abouti. Alors, on va y apprendre un rafale psy, hein. Et une charge noire. Évidemment. Évidemment. Bon, remarque s'il y a bluff en face. Pas bien grave, mais bon. Merde. Ah bah, tant mieux en fait. Ah non! Pas tant mieux. Eh ouais, il était là. Oh, le tour inutile. Oh, le tour inutile. Oh, c'est un fiasco. Oh, c'est un fiasco. Ah, Ariyama il est vraiment très cool par contre. Ok. Bluff. Sauf si c'est sur Sweetwood. Très bien. Ça c'est super efficace. Aïe aïe aïe. Tornade c'est vraiment très très nul hein. Je dois arrêter de l'utiliser en vrai. Bien fait de switch par contre. Là on va juste faire surf et triple pied. Oh oh. Oh oh. C'est Dynamo Point ça, non? On va pas te laisser faire, mec. Bon, malheureusement, lui, il va nous faire chier, mais c'est pas très grave. Ok. Qui que ce soit que tu envoies maintenant, là, il va prendre triple pied. 43, bien. L'ombre. L'ombre va se faire embarrave, hein, qu'est-ce que je te dis. Le grand classique. 1, 2, que 2, très bien. On va finir le long comme ça on sera. Ah. Ça me va, c'est pas très grave. On va se prendre cogne de toute façon à Ariyama. Hop.
Alors. Meurs. Ok, j'ai bien fait de faire triple pied sur lui. En vrai, je crois qu'il fera moins de dégâts de façon. Faut toucher par contre. Nice. Il a un PV quoi. J'en peux plus de ce jeu. Tous les adversaires ont toujours un point de vie, j'arrive jamais à les finir genre. Aïe aïe aïe. Bon c'est pas très grave hein mais. Nice. Ok. Voilà, tu es KO désormais. Ouais. Aïe aïe aïe. Et là, il va falloir revenir se soigner et revenir là dans la pièce, genre. Et on va regarder ses mails, faut pas oublier. C'était juste un petit mensonge, c'est pas la peine de s'énerver. Bon, je suis pas énervé, ça va. Mais ça t'a quand même fait plaisir de croire que t'étais le millième. Ouais, c'est vrai. On va sauvegarder. De pioche après, hein. La 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 la. Alors, je sens que tout le monde va m'agresser. Cet endroit va attirer des visiteurs du monde entier. Si je montre à tous ces gens comment je combats, je vais devenir mondialement célèbre. Aujourd'hui, je vais être la première prouver ma valeur en combat de Pokémon. Ok, et on va toujours pas regarder les mails du coup. Artiste Chalice. Fichier Hypocéan. Ok. J'ai bien fait le double focus, sauf si c'est nerve. Ok, ça va, cool. Ça, c'est très très nerve. Tirer, on peut pas savoir ce qu'il fait. Trop dangereux celui-là. Alligator, trop bien. Putain, y'a Alligator quoi. Trop cool. Aïe.
Putain, ça tue pas. God damn. Ok, là il va mourir de la cascade normalement. Non, toujours pas. Ok. Ok, là il va mourir. Alors, tourne fini, c'est simple. Bon, c'est pas le combat le plus compliqué qu'on a fait aujourd'hui, hein. Psycho! Yes! Enfin! Allez, Rafale Psy, ça te dégage. Adios! Psycho, c'est 90. Oh! Enfin! Là c'est fini hein, les gars. Tu as détruit mes rêves de gloire. Désolé. Pas fait exprès. J'ai trébuché, j'ai pas fait gaffe. Faut que je m'entraîne plus pour qu'on puisse pas aller de moi. Voilà, ça c'est ce qu'on veut, ça. Bon, les mails. J'en ai eu deux d'un coup. Cher monsieur Yato, je vous présente mes salutations. Je suis Adelbert du village de Samara. Je suis pas une personne qui est à l'aise avec la technologie, mais je suis enfin parvenu à comprendre comment écrire un mail. Au fait, si... Si... Je suis arrivé, j'ai réussi à décoder du disque ROM et analyser des portes. Bon, là, je vais faire décoder 29 des Pokémon obscurs de la liste. J'enverrai un mail quand j'en aurai d'autres. Mais c'est quoi, c'est au fait si, puis c'est fini. J'appuie partout, ça descend pas hein, le truc. Hein. Non, mais il y a une embrouille là. Et oui, je sais pas, il est fou. Il est zinzino même, je dirais là. Bienvenue à la toute fraîche branche, je fais tour titanite. Alors, que demande depuis combien pour célébrer le... Oh là, t'es... C'est abusé, gros. Comme ça, là. La réceptionniste, elle m'attaque. J'espère que c'est Suicune qui a envoyé parce que Riku est mort et que c'était Suicune derrière, j'espère. Non, c'est Entei, fudge. Ah, remarque. Non, c'est trop bien aussi, en fait. On peut psycho lui et déflagration lui. Voilà. Mep. Ah, je sais que c'est pas très efficace, mais... Touche-le par contre. Merci. Il y a Pokémon acier en fait, on les éclate. Pardon. Eh bien. J'étais sûr de gagner. Bah alors c'était le combat le plus facile des trois, genre. Puisque vous êtes venu jusqu'ici, profitez-en au maximum. Ok, venez, on va voir ce qu'il veut Adelbert à Samaragd.
avant de continuer notre aventure. Comme ça, j'en profite pour soigner aussi. Hop, hop. Alors Samaragd, parce que je sens que je sens qu'il y a, il y a une embrouille. Hein. Comme ça, il envoie un mail au dernier moment, le mail le plus impersonnel du monde, alors que j'ai sauvé sa fille et que on se connaît là. Bien sûr qu'il y a une embrouille, moi. Non, y a pas d'embrouille. Ah, voilà de retour, c'était Mazen de rien. Bah ouais, gros, ça va. Oh, Dayato, je suis content de vous voir. Alors, vous avez reçu mon mail, je me suis plutôt bien débrouillé, non? On l'a bien reçu, mais le message n'était pas complet, grand-père. Oh, c'est vrai, c'est bizarre. Bah, vous le dire en personne, probablement plus rapide. En fait, je voulais te donner quelque chose, Yato, tiens. Une Master Ball. Allez. Je vais contrecarrer les plans de cette organisation maléfique qui menace la planète. Oui, une petite Master Ball, quoi, ça fait plaisir. Alors, Onibo m'a envoyé la dernière fois un guide d'un glitch pour avoir des Master Balls infinis. Pour arrêter de galérer avec les Pokémon. Et franchement, il y a moyen qu'on le fasse. C'est un truc avec le menuing en mode, je sais plus, t'annules un truc et en fait ça envoie quand même la balle et en fait du coup elle part pas de l'inventaire ou un truc comme ça. Mais ça l'envoie donc du coup bah tu attrapes le Pokémon en fait. Je ne me souviens plus exactement. Si jamais là, dans le, pendant cet épisode, on tombe sur un Pokémon où on sent qu'il faut utiliser la Master Ball, je regarderai le glitch pendant le combat. Pour voir si je peux le faire tout de suite. Et sinon on verra. Je suis pas du tout allé là où je voulais. Mais alors vraiment pas du tout. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je traversais le pont et tout. Je me suis trop chauffé. C'est pas du tout là où je voulais aller. Je voulais aller à Soareb pour regarder ce que Net il voulait. S'il a dit j'ai déchiffré 29 Pokémon obscurs machin, je sais pas si ça va me les mettre dans le Pokédex, si c'est dans ma liste Snatch, si Tatati ou Tatata. Donc, on va regarder. Parce que je rappelle quand même que le but, au-delà de finir Colosseum, hein, c'est d'attraper les Pokémon qu'il nous faut pour Emerald. Tout ça n'est qu'un spin-off quoi. Yo! C'est le PC de Net. Ok, mais je veux parler à Net moi. Je vais essayer d'extraire les données contenues dans ce Discord. Dès que j'ai du nouveau, je te contacte. Alors attends. Donc là, il te dit où choper les Pokémon. Comme vous pouvez le constater, j'en ai quand même attrapé beaucoup. Ah! Sauf eux, fais voir ce que c'est cette histoire. Ok, on sait qu'ils existent juste. Ok. Ça le fait. Ok, donc en fait il a mis à jour ma liste, je pense. Tout simplement. Très bien. Bon allez, on y retourne. Direction la tour, on sauvegarde. Et on va enfin parler au mec de la sécurité là. Que ça avance un peu quoi. Hein ? On voit de quoi il en retourne et après je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Bon après on n'est pas sorti de l'auberge, à mon avis il y en a peut-être pour une petite heure encore. Mais voilà, en gros on finit la tour et puis ça ira pour aujourd'hui quoi. Sauf s'il faut enchaîner sans combat évidemment, dans ce cas je vais pas faire ça de suite.
mais... Voilà. Dernière ligne droite, je sens que c'est la dernière ligne droite. En fait, je n'en sais rien, mais j'ai la sensation que là on s'approche. Là, j'ai la Master Ball et tout. Il y a moyen quand même. Ok, ouh, et B. Chut, Yato, c'est moi, c'est Sylva. Je me suis déguisé pour ma fuite jusqu'ici. Surpris ? Un peu avant, les deux chefs du groupe sont partis se préparer dans le Cosmos au sommet de la tour. Mais attention, il paraît qu'ils ont des Pokémon extrêmement puissants. Yato, Ramda, faites très attention. Ok, très stylé. Y'a quoi derrière ces portes ? Y'a des. Oh, y'a des slots. Bienvenue, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de moi? Voyons, voyons, c'est moi, on s'est rencontré il y a longtemps à Fenacit. Mon nom est Berde. Si toi t'as oublié qui je suis, moi j'ai pas oublié qui tu es. Comme oublier que tu m'as arraché mon macronium. Aujourd'hui, je vais te faire partager ma rancœur. Ma rancœur? Pourquoi le OE il était en. Il était en majuscule? Ah, bah il est mort, c'est sûr. Ok. Ah, oh, ça me fait. Aïe, on t'a dit ça. Même pas, c'est à dire que Montali va être KO. Ouais. Très bien. Ok, on va retourner ce heal. Double crit. Bon, là ça aurait pas changé grand chose, mais c'est quand même un peu abusé. Ah non, je me suis encore fait battre. Eh oui. Allez, dégage. Bon, nulos. On va pas se soigner là, j'ai la flemme. Hein. On va juste switch. Hop. C'est bon, hein. Les gens qui ont fait construire sa tour contrer, y rassembler les gens les plus riches de la planète pour gagner une montagne d'argent. C'est pour ça qu'il leur fallait un nouvel monde pour attirer l'attention. Eh oui, c'est un combat de Pokémon au cœur. Petite canaille, va. Espèce de canaille, va.
évidemment, comme par hasard, quand j'envoie Noctali, il y a un putain de Pokémon qu'on voit en face. Ça régale. Oula. Je sais pas ce que c'est ça, mais ça me dit rien qu'il vaille. En un tour? Ah, ça peut rendre confus. Au cas où c'était l'attaque qui se prépare en deux tours et qui veut qu'on va interrompre. Pic. Ok, ouais, donc c'est pas ça, mais c'est un peu pas sympa. Ok. Ouais. Ok. Là, il faut le finir par contre. Faut le finir. Non. Comme d'hab, je vais me faire naquer. Fais chier. Bon, ça c'est ça va. Là, tu vas voir qu'il va passer en mode hyper maintenant là. Ah bah non, il est là. Ok, incroyable. J'ai de la chance. Je savais pas que ça pouvait rater. Allez, ça dégage. Là, ça serait trop craqué que je l'attaque. Le Bat Chopper. Je fais d'un. Allez, s'il te plaît. Ok. Même si c'est pas très efficace, on s'en fiche. Et là, tu t'attaques. Ou t'as la trouille. Ok, dommage. Sur Raikou, j'imagine. Non, bah c'est sympa en fait. Comme ça, je peux envoyer Suicune. Surf, ça va mettre les deux KO là. Champion dans le chat. Alors, surf et charge noire. Surchauffe, ok. Sympa. Tout prend des dégâts, mais c'est pas très grave. Ça pique, mais ça va. Ah! Aujourd'hui, ça attaque les deux surchauffe. Ça a été up. Je savais pas que ça attaquait qu'une personne là. Je sais pas si le crit aurait changé grand. Enfin, si ça change grand chose, mais tant mieux. C'est les KO, on en parle plus. Match Hopper, pareil. Bon, lui, c'est juste parce que voilà, il prend coup. Pas besoin de crit avec la vie qu'il avait. Hop là. Magnéton. Ça c'est un peu relou. Ah c'est tout ce que t'as. Ok très bien, dans ce cas on va juste directement switch. Mettre une taille, on va pas se prendre la tête. Toi tu vas faire charge noire, tu vas te finir, c'est pas grave, on s'en fout. Tu peux passer en mode hyper si tu veux. Je m'en fiche. Bah écoute, merci, c'est toujours ça de prix. Avec Capoeira du coup. Badabadada. Triple attaque, ok. Gros dégâts hein. Bravo mec. Allez, il faut toucher par contre. Merci. Et comme ça il passe niveau 47 en plus, s'il te plaît. Allez, 46 pardon. On est bien là. Ah, ok ça va. Je
parles d'une démonstration. Ça va, gros, tu t'es bien battu quand même. Bon, évidemment, vous connaissez le. Hein, you know the vibes. Perdre ou gagner, c'est pareil, un combat ça attire les foules. Lui aussi il va vouloir se battre, je sens, donc. Je préfère faire tous les combats avant de monter voir les mecs plus chauds, parce que ça va comme ça me fait gagner de l'XP, tranquille. Tu vois là on a eu Psycho qu'on aurait peut-être pas eu si on n'avait pas fait tous les combats avant. Parce qu'il y en avait qui étaient un peu esquivables. Finalement on les a fait quoi donc. Je préfère faire les choses bien comme il faut. On est comment côté lumière là? Parce que ça, je vois que ça commence à se. Ah ouais, on est ombragé quoi. Yo! Ça va mon pote? Comment tu vas? J'arrive, je vais allumer la lumière. J'arrive tout de suite. Histoire qu'il n'y ait plus cette ombre sur moi là. Hop là, j'arrive. Et voilà le travail. Stylé la zik. Ouais de ouf. Écoute, ça va hein. Le week-end qui arrive là, je fais des trucs tous les jours. Demain j'étais un déménagement. Ensuite je stream. Dimanche tournoi mêlée. Lundi j'ai un pote qui se fait tatouer. Je vais probablement squatter avec eux. Et ensuite tournoi ultimate. Mardi, j'ai rien de prévu. Mercredi, Akuma qui sort sur Street Fighter 6. Donc, on va jouer à Street Fighter 6. Donc, en vrai, on s'occupe, hein. Tous les jours, là, quasiment. Et mardi, je vais probablement streamer, du coup, aussi. Bah ouais, ça tue. Et toi, alors? Mardi, je réchaude. S'il fait beau, j'aimerais bien sortir faire du roller ou du... skate ou un truc comme ça, passer une petite journée de chill, puis streamer ensuite en rentrant. Demain soir musée. Ah c'est demain soir, je croyais que c'était là. Ah oui samedi, bah oui, bah samedi oui. Moi je joue, je me balade, bah c'est le meilleur truc. Bah là le samedi soir là, il y a tous les musées de la ville qui sont ouverts gratuitement, mais c'est dans la nuit genre. Et du coup on va y aller nous. Toi t'es Yato, un ancien de la team Snatch. J'ai toujours voulu affronter l'un d'entre vous. Montre-moi si les rumeurs sont vraies. Montre-moi un combat de haut niveau. Bah franchement vas-y régale-toi hein. J'aurais bien aimé prendre ouais. Sous le coude là. Ouais, je vais faire ça, je pense, je vais switch Raikou. Oh le crit, oh ça met bien.
En plus, ils proposent plein d'événements et tout. J'ai vu, genre, il y a des événements, des hypnoses dans un musée, c'est très sympa. Tu veux te faire hypnotiser? Tu veux devenir top player sur Smash comme ça? Tu es très très fort à Smash. Tu comprends le jeu. Je comprends maintenant. Et hop, t'es trop fort après. Je suis sûr que c'est possible. Je me suis fait aplatir. Bien vu, mec. Même stade ennemi, je te dis bravo. Bah merci, ça fait vraiment plaisir. On va pas tout de suite se soigner, hein. On va pas faire aller-retour entre chaque combat. On va regarder ce qui se passe de ce côté. Ouais. Alors, je vous ai fait peur, hein. Je vous attends à la porte depuis que vous êtes arrivé dans la tour. Allez-vous, je vais vous faire encore plus peur pendant le combat. Culturiste Tyranno. Putain, c'est Tyranno de Bergerac. J'avais jamais capté qu'il avait le wifi derrière le dos. Grand boom. Ouais, les musiques elles sont cool. Mais là c'est même pas les meilleures celles-là. Elles sont déjà bien, mais il y a une musique 100 fois plus stylée de combat. Quand tu te bats contre des boss et tout, c'est vraiment craqué. Franchement, c'est toute une vibe un peu comme Colossum, c'est assez cool hein, quand même. C'est vrai que ça régale. Pam pam. Ouah, c'est moi qui ai eu la trouille. Eh ouais, mec. Eh ouais, mec. Quand je pense que j'ai attendu si longtemps sans bouger, j'en ai mal au ventre, tiens. Eh, vous auriez pas pu en faire autant, hein. Ferme-la. Gros nul. Ok, donc il y a de la musique. Un jukebox. Devine quoi, t'as tout un autre jeu avec la même vibe. Eh oui. Qui coûte 1000€. Vous êtes venu pour manger? Oui. C'est fort dommage, le restaurant n'est pas encore ouvert. Mais en échange, je vais te faire goûter à mon menu spécial de combat de Pokémon. Après, voilà, c'est un autre jeu, mais il coûte 250 000 euros aussi. Bah ouais, hein. Vraiment. Il faut trouver quelqu'un qui l'a. Mais de toute façon, ça va être le but, hein. On va pas le faire comme ça, hein. On va pas l'acheter, hein. Pokémon XD, c'est la suite de Colosseum. Si on peut pas le faire à cause des spéculateurs, je vais péter les. Merci d'être impliqué dans mon aventure. Merci, ça fait plaisir.
Moi, je suis prêt à faire de la route, hein. Si on me le prête, si Akalen qui me dit qu'il est prêt à me le prêter, je suis prêt à aller le chercher, faire le trajet et tout. Plutôt que de l'acheter, genre. Bon, après, si l'aller-retour, il me coûte plus cher que le trajet, bon. Enfin, que de l'acheter, je sais pas, tu vois. Faut trouver un arrangement, mais... Oh yeah. Noir Fang, ok. Et Yoko. Bah Yoko déjà il va se faire one shot. Voilà, merci. Presque. Ah ouais. Bon ça, ça va. Oh, il tombe sur la cloche. Allez, et la trouille. Let's go. Et là, tu vas manger une onde boréale. Et on finit avec la morsure du serpent. Boum! Un combat qui s'est déroulé comme sur des roulettes. Bon appétit! Un rond gourmand dans le chat. Vraiment le Pokémon nul à yesh. J'ai dégusté, je vais avoir du mal à digérer ça. Oh, c'est bon là, les vieilles, hein, c'est bon. Du jeu de mots là. Très peu pour moi. Bon, on a battu tout le monde. Y a plus qu'à aller au Colosseum maintenant. On se soigne, on sauvegarde. Et on va enfin faire le Colosseum. Enfin. Pas trop tôt. C'est quoi le but du jeu? Alors c'est une aventure Pokémon somme toute assez classique. Sauf que on est un voleur de Pokémon, on n'est pas un gentil. Et du coup on vole les Pokémon pendant les combats. Tout se passe en 2 contre 2. Et puis après ouais, une storyline avec une team qui essaie de dominer le monde en rendant les Pokémon obscurs. Ça les rend fous de la tête, ils deviennent des machines de guerre. Et du coup tu peux ils sont un peu plus forts mais ils sont fous genre. Et toi t'es là pour un peu les purifier, donc tu les voles aux méchants. T'es pas complètement un gentil mais tu les voles aux méchants, aux plus méchants que toi quoi. Et tu les purifies. Et il y a une storyline et cette meuf là qui me suit, elle a le pouvoir de voir les Pokémon obscurs parce que ça se voit pas en fait. Mais elle le capte et du coup toi tu les voles. Et voilà. Et là on est dans le repère de la team des méchants qui a construit une grande tour. Ouais, il y a un peu des bails comme ça, ouais. Et on leur casse la tronche en fait là aux méchants. Tout simplement. Après, ces Pokémon, hein, ça vole jamais bien haut. Jamais bien haut. Allez, c'est parti. Nous, le but, c'est surtout d'attraper les Pokémon de ce jeu pour pouvoir les transférer sur Emerald afin de compléter le Yatodex. C'est surtout ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, c'est cache lui là. Vous êtes finalement arrivé jusqu'ici. Vraiment impressionnant.
Faisons un bon accueil à Toeramda. Bienvenue à la tour Titanite. Mon nom est Jackila. Vous souvenez-vous de moi? Nous sommes vus à Phenacit. J'avais déjà l'impression que nous affronterions un jour ou l'autre. Bien que je ne pensais pas que vous arriviez jusque-là. Bien, elle tardera pas à démarrer votre cérémonie d'accueil, bien sûr. Ça suffira ce quoi? On dirait un peu Riku, mais dans Kingdom Hearts 1, genre. Je pars devant, essayez de pas trop tarder. Ah non, mais on aurait pu se battre aussi si loin, y'a pas de... Vite, château, suivons-le. Non, non, on va le regarder comme ça à faire. Parce qu'on est con. Ah, très bien. Ouais, Riku méchant en mode Ansem un peu. Et voilà, avec ça, Tomé et Kenshi sont devenus en pleine forme. Comme ça, je peux te combattre et te mettre KO sans problème. Kanai Chuck. Psh, psh. Riku, quand il est en mode sans cœur Ansem là, avec le... Il est exactement comme ça, c'est la même tenue, genre. On va mordre Dracos parce que ça a l'air plus dangereux. Oh la canaille. Je savais que ça te ferait. Ah ouais. C'est trop bien, ça y est, c'est fini les alertes pour nous, là on va se regarder ici, on est tranquille. Trop trop cool. Pas trop tort. Non, je te déteste. Franchement ça me fait ni chaud ni froid, je vais te le dire, voilà, comme je le pense. Hein. T'es à la fin du jeu? Alors je suis pas sûr parce que je connais pas le jeu. Mais j'ai l'impression que oui, quand même. J'ai quand même un peu l'impression que oui. Ok, c'est bon. Allez, on est parti. Ah, il est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, je sais, par là, on peut peut-être prendre l'autre ascenseur. Oh non, ça marche pas, on peut pas non plus prendre celui-là. C'est mon pote, ça. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, Yato. Je sais pas que t'as oublié mon visage, quand même. Ce visage, mais c'est la Team Snatch, pourquoi il est ici? T'as tout bon, gamine. C'est bien moi, El Gonza, le chef de la Team Snatch. Grave ça dans ta mémoire. Eh hey, gamine, tu te demandes ce que je faisais là, pas vrai? Ah, je comprends, c'est à la base du groupe. Ça veut dire que la Team Snatch et Goumon sont de connivence. Hé hé, c'est vrai que c'est surprenant comme connexion, non? On était qu'une petite bande de voleurs quand le Goumon nous a envoyé ce Snatcher. À l'aide du Snatcher, on a pu voler de puissants Pokémon un peu partout. Qu'est-ce que vous dites? Tout faisait partie du plan du groupe Ombre? C'est ça, c'est qu'elle est plutôt futée la gamine. On dirait Muscoto. Monsieur Jackie là vous attend là-haut, mais vous n'irez pas jusque-là. T'as détruit notre repère et trahi la Team Snatch. Je peux pas attendre, je vais te lever à payer. Tu penses tout de même pas pouvoir me battre? Ah, il a même pas la musique des boss, donc vraiment... Oh, Ramda, tu es futé. Oh non, j'y crois pas. Ouais, mais t'as la trouille, c'est ça? Hein? Pas vrai? Hein, mec? Yes! Séisme. Ok. Il attaque son pote en plus. Aïe aïe aïe, Montali va prendre cher, je pense. Chier. Ok, lui
aussi la plus chère, donc ça va, mais... On va faire force cachée et on va faire météore. Bon, je vais vous laisser, bonne soirée, bon stream. Merci beaucoup, Rox, merci d'être passé, à bientôt. On se voit bientôt, de toute façon. Oh yeah, niveau 49. 49. Scarabrut, très très bien. On va pouvoir le one shot avec Psycho. Oh, ça me tue pas. Yeah, à lundi. Donc t'as dit, j'imagine. Sérieux? En vrai, ça m'étonne de vous. Ah, Scarabrut, bon, on va prendre Entei. Alors, toi, tu finis Colomar et toi, tu one shot Scarabrut. Eh oui. Ok, on tue pas, on tue pas. On est encore dans la tour en train de se battre un peu contre tout le monde là. Ok. T'inquiète, en vrai on a fait beaucoup d'allers-retours, il s'est pas passé grand chose d'intéressant. Pour être tout à fait honnête. On a fait des combats quoi. Quelques combats à droite à gauche qui n'étaient pas nécessaires au plot. Là ça y est, on commence à monter vraiment la tour. Il y a le chef de la team Snatch qui vient de nous attaquer. En fait la team Snatch et la team ils font équipe en fait. C'est le plot twist. Team Snatch c'est celle d'où vient le personnage principal. Aïe aïe aïe. On a une dernière chance pour l'attraper.
Allez, il faut que ça marche. C'est notre dernière chance. S'il te plaît. S'il te plaît. T'as un PV, franchement. J'ai une hyperbole, ça va. Ouah, c'est abusé en vrai. Je sens que il y avait plus de chances que ça attrape que l'inverse. On a juste vraiment pas de chance. Aïe aïe aïe. Bon, dommage pour Herbure. C'est comme ça. Je t'ai vraiment amélioré, Yato. Yato, tu veux pas t'allier à nouveau avec moi? Toi et moi, avec le Snatcher, le monde ne pourra pas nous résister. Non? Ha, je m'y attendais. Bah, ça m'est égal. En tout cas, si tu y vas, tu pourras pas revenir en arrière. Allez, va. Ah! Bah, ça aussi, ça sent la fin du jeu, hein. Là, tu me dis, tu peux pas revenir en arrière, gros. Ça sent un peu la fin du jeu. Peut-être on va finir Colosseum aujourd'hui, en fait. Hein. Peut-être on va attaquer Verfeuille bientôt. Hein. Ah! Bon après faudra quand même attraper et purifier des Pokémon, mais si c'est du farming comme ça a été un peu le cas là et que c'est long comme ça, je pense qu'on alternera et qu'on fera un peu de purification de Pokémon et du Verfeuille, un peu de purification de Pokémon et du Verfeuille, parce que sinon ça va être un enfer. Bref, allons voir de quoi il en retourne. Très bien, c'était ici alors. Faut les Pokémon attraper dans celui-là. Bah, y'en a quand même pas mal, ouais. C'est ça le truc. Y'en a quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Colosseum? Bagarre? Let's go, ça tue, ouais. On arrive par là, genre? En mode. Oh là là, c'est très stylé. Oh, un bus des flottes. Ok, j'aimais la mise en scène pour le coup. T'es en retard, Yato. Je commence à me demander si tu t'es fait battre par El Gonza. Bien, je vais te faire expier les ennuis que tu nous as causés. En paiement de tous ces énormes ennuis que tu nous as amenés, tu vas devoir combattre ici. Fais en sorte que le combat soit le plus beau possible pour plaire à tous ces spectateurs. Ça sent le dernier boss là, quand même. Ok, d'abord en mode gladiateur. Ah bah oui, c'est le Colosseum, il va y avoir plusieurs tours. Combattre devant autant de spectateurs, ça rend nerveux, hein. Je vais pas me couvrir de honte, alors fais-moi gagner en beauté. Ok. Ramp. Avant moi, je fais pas beaucoup de dégâts et je vais le faire de moins en moins. Je vais peut-être lui mettre un petit taquet là pour voir. On va essayer de pas perdre trop de temps. J'espère que. Mais le truc c'est que j'ai peur que la morsure ne tue pas le Kuribon là en fait. On va plutôt double focus du coup. On verra après pour récupérer. S'il continue de se placer en défense, c'est pas grave, je pourrais l'attaquer avec l'attaque spéciale. Voilà, le Pokémon qui arrive, je vais manger une morsure, c'est pas grave. S'il commence à faire roulade par contre, on est dans la merde, donc il faudra faire gaffe. Ok, il continue de se placer pour le moment. Mon griffe, je sais pas ce qui est plus rapide entre lui et Noctali. Je lui fais des dégâts qui sont ok en vrai. On va mettre un psycho à écrire mémoire. Ah.
C'est quoi, c'est vraiment trop fort. J'aurais dû faire gaffe. Dommage. Après, bon, c'est pas bien. C'est pas dramatique non plus. Hein. Toujours. Les rattraper plus tard. C'est juste que, évidemment, si on gagne du temps, c'est bien. Ah, mais ça y est, c'est fini le combat là. Très bien. Oh la drama queen. Bam bam. Quoi? Mais ça ne devait pas se passer comme ça. Et si? C'est exactement comme ça que ça devait se passer en fait. Normalement je suis soigné entre les combats quand c'est dans Colossal. C'est à moi. C'est pas tout quand il tombe le Mogrif Tomimi. Ouais. Biker easy. Ah, absolument j'aime pas l'ambiance. Et Sharpedo, aïe 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 aïe, j'aime pas du tout l'ambiance. Ok. Lève Rock, je switch direct. Montali peut pas se permettre de. Oh, on est pas heal entre les trucs. C'est abusé, c'est abusé. Alors lui on en a pas besoin en vrai, absolument on en a rien à foutre. Donc Tali tu peux rester. Mais tu vas mettre je pense une folie à Absol qui risque de mettre beaucoup de crit. Et toi tu vas switch et on va mettre Capoeira. Là il va se faire double focus la Capoeira mais type combat. Donc a priori il peut ne pas prendre trop cher. J'ai fait une folie sur le Absol qui est probablement plus rapide que Noctali, mais c'est parce que tranche lui il y a un auto de coup critique et j'aimerais bien que ça n'arrive pas. Et en plus on passe l'attaque avec Capoeira, c'est pas ça. Pas chouille, bon. Normalement ça devrait aller. C'est pas efficace. Ça va. Charge noire. Ah, fait chier. Sur Noctali j'espère. Non. Ok, bon. C'est pas ouf, j'aime pas trop l'ambiance. Alors Noctali, en vrai tu vas faire force cachée je pense sur Sharpedo et toi tu vas triple pied le Absol. J'ai bien fait d'attaquer Absol. Tu vas tuer le Capoeira. Oh, un PV, s'il te plaît touche le par contre, maintenant il faut que tu le tues. Allez 1 2 lâcher putain, il est vraiment trop nul. C'est abusé d'être nul comme ça. C'est abusé d'être gros nulos comme ça genre. Par contre j'aime vraiment pas l'ambiance du coup. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il aurait quand même pu faire un peu plus de dégâts quand même. C'est super efficace et c'est stabé, tu vois. On gratte un peu petit à petit. Bah là, on va faire force cachée sur Sharpedo en espérant qu'il attaque. Et Boreal sur Absol. Machouille, ça peut pas faire flinch. C'est mort sûr qu'il faut flinch. Donc là on va juste prendre les dégâts, vu qu'on a une bonne défense avec Noctali et Flukun, en vrai on est plutôt bien là je pense sur le long terme. Un peu confus. Dans Slam. Ok, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure devant Boreal là. Sinon il va vraiment nous éclater. Papapa. Allez tue-le. Ok. Ok ok, j'aime pas du tout ce combat. J'aime pas du tout ce combat. Oh, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Ça, ça veut dire qu'on peut attaquer Absol maintenant.
Let's go, il a fait dans Slam parce que comme j'ai fait mon Boreal, ça l'a baissé de 1, donc il était que à plus 1 ou plus 2, et du coup le bot il est en mode mais moi je vais être au moins à plus 2. Alors il refait dans Slam et du coup il attaque pas, et du coup on lui nique sa race. Et l'autre il est paralysé, donc il va se prendre une morsure, et donc il peut être soit flic soit paralysé, il joue pas, et c'était son dernier Pokémon, donc on est trop chaud à ce jeu. Ah merde, non, il y en avait encore, mais on s'en fout, c'est pas grave. Bon, intimidation c'est un peu chiant pour le Noctali, mais on va prendre ça quand même. Bon, ok, en vrai Noctali là il sert pas à grand chose, mais je peux pas me résoudre à l'enlever. On va juste continuer d'attaquer le Sharpedo. On va faire surf parce que Sharpedo il aura un PV à la fin de la force cachée. Et Grayana il le prend, donc je pense que c'est le meilleur truc là. Ouais. Ouais, et comme ça Sharpedo c'est sûr, là il est fini par le force caché. Surtout qu'il a moins 1 maintenant, donc en vrai il y a moyen qu'il survive. Il a survécu évidemment. Bon là il faudrait que tu sois paralysé Sharpedo s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Dommage. Alors il le tient si c'est pas un crit, hein, mais... Oh, il a pas tenu. Noctali est trop fort depuis le jeu de ouf. Mentali fait des gros gros dégâts, mais Noctali il est vraiment beaucoup plus polyvalent. Il sert vraiment dans beaucoup plus de situations, c'est abusé. Sauf si on le tue maintenant ou qu'on le paralyse et qu'il joue pas. Ce qui est possible avec force cachée évidemment. Dommage. Rip Mentali. Okay. Le fait qu'on soit pas heal entre les combats c'est quand même abusé je trouve. J'espère qu'il n'y a pas un troisième combat parce que là ça va vouloir, il va falloir faire des rappels, des trucs, des machins, ça va être trop chiant. Mais il est encore plus fort que ce qu'on m'avait raconté. Eh oui. T'es nul, dis-moi que tu viens pas m'attaquer, dis-moi que tu me soignes avant le combat. T'es Yato, n'est-ce pas? J'étais impatient de te rencontrer. Ne trouves-tu pas que c'est un honneur de combattre en pareil lieu? Te vaincre va me faire progresser dans les rangs du groupe. Merde. Merde. Ok, il faut ressusciter. Il faut ressusciter Suicune. Donc Tali il est full life, il régale. Des molosses, il faudra l'attraper. Ta 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 ta. Là, là, c'est une hoste de ouf. Ah, tu veux que je dégage? C'est qui t'enlève du terrain? Ah non, 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 c'est pour ce... Oui, pardon. C'est pas hurlement. Je pense que c'est ma préférée. Je
c'est bien. Bon dégâts. Comprends. Ok, il fait que se placer. Il faudra que je l'attrape vite, hein. Pam padam padam. Ok, toi on te finit. Toi, tu mets à portée peut-être d'être capturé. Ouais, complètement. Charge noire à plus 2. Fais gaffe, ça va faire très très mal, je pense. C'est ce qui, c'est sur Entei. Ça va, tu le tiens bien. T'es un beau gosse quand même. Toi, tu meurs, j'espère. Ouais. Volcaropod. Ok, dans ce cas c'est toi qui continue d'attaquer. Et va t'attraper avec une hyper ball. Snatch ball. I'm about to snatch you, you know. Oh yeah. Allez, oui. Oh quoi? Assure. Ok, il va se faire mal, mais il risque de faire très très mal aussi, c'est ça le problème. J'ai vraiment un problème avec ça. Ok. Toi et la trouille. Toi, tu fais même pas chier, genre. Éboulement. Ah, relou. Ah, remarque, si c'est chelou, ça va. Ah, c'est les deux, bah oui. Suis-je bête? Bon allez, assure. Ouais. Gros, c'est abusé. Comment ça, genre? Il va faire éboulement si je le... s'il a pas la trouille là. Ah, synchro. Ah bah oui, c'est inefficace parce que oui. Canicule, fait chier. Fait vraiment chier là. Ça serait un combat super facile si on n'essayait pas de capturer le Démolos en vrai, même. Il est brûlé et son attaque elle est divisée par deux, donc c'est avec lui qu'on va envoyer la balle. C'est notre dernière chance, hein, de façon. A priori, là, le charge noir, je pense qu'on peut finir le volcaropode avec. Si on attrape le Démolos, on finit le combat là, surtout si sans que personne ne prenne de dégâts. Allez, assure. C'est abusé comme j'ai pas de chance. Là il se SD tout seul, hein. Là il va se mettre KO tout seul. Ouais. Il faut vraiment un Pokémon qui fasse poudre dodo, cage éclair ou quelque chose, hein. Je pense, parce que là c'est vraiment compliqué en fait, hein. Ah oui, il est passé en mode hyper cet abruti, donc évidemment il attaque pas. Ah, super, merci. Il est même KO, quoi. Quel gros nul. On a plus que Noctali, hein, faut faire gaffe quand même. Okay.
Après, je pense que 3 combats d'affilée c'est bien. Je vois pas dans quel monde on envoie un quatrième sans me soigner. C'est terrible, je vais me faire mettre à la porte. C'est la vie, gros. C'est la vie, gros. J'ai le droit d'être soigné ou pas là? Mais c'est une blague ou quoi? Je suis ton dernier adversaire. J'ai des choses pour te balayer, contemple ma puissance. Putain, 4 combats d'affilée. Et il s'appelle Derder. Il s'amuse un peu, je trouve. Bon, j'envoie. On s'en fout, j'ai des deux déjà. Là, on est un peu dans un dilemme parce qu'en fait, le plus gros tank après Noctalis c'est Suicune. Mais Tropius peut le battre. Donc, pour battre Suicune, on pourrait dire il faut envoyer Entei qui est aussi un bon tank. Mais il y a Vasilis qui est type proche. Donc, a priori, je suis baisé en fait. A priori. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Entei du coup quand même. Mais je pense qu'on est, je pense qu'on est foutu. Faut espérer que ça fasse focus sur Noctalie, que je puisse soigner Noctalie avec un total soin, enlever la brûlure, le soigner et ensuite pouvoir dérouler de là. Ok, ça c'est un bon premier pas. Pouvoir antique. C'est sur qui? Ok, en vrai je l'ai tanké. Je peux quand même attraper trop plus pour le one-shot. Et ouais, mais en fait il est trop haut niveau, je pense que ça marchera juste pas, on va juste essayer de le tuer. Ça sera mieux, je pense. Ok, maintenant j'ai un rappel gratuit. Et je peux soigner. Est-ce que j'ai une guérison par hasard? Non. Bah tant pis, je vais faire péter. Ah si, j'ai une guérison. Allez hop. Voilà. Là le pouvoir antique il va probablement partir pour le Suicune, mais en fait on s'en fiche. Parce que il va le tanker tranquille. Et Tropius on va le one shot avec une onde boréale en fait, s'il prend x4. Voilà, exactement, c'est ça que je voulais. Donc avec Noctali on va soigner Suicune. Voilà, une petite hyper potion. Hop là. Et toi gros, tu dois tuer Tropius parce que c'est ta seule menace. Pour le moment en tout cas. C'est x4 et a priori t'es plus rapide. Si les vols plantes, les deux ils craignent la glace. Ok, il est midlife. Est-ce qu'il gèle? Non, il n'y a que les glaces qui peut geler je crois. Feuille magique. Auto de coup critique hein. Peut-être on meurt. Ok, ça va, c'est bon. Voilà, le combat il se déroule maintenant. Bombe burk, on s'en fout complètement. Sauf si je suis empoisonné, ça pourrait. Tout va bien. Maintenant, on peut enfin jouer. On va force cacher le Vasilis pour essayer de le paralyser, qu'il nous fasse mon chier. Et on va finir le Tropius. On n'est pas obligé de tuer tout de suite. Rafflesia, très bien. On pourra aussi lui mettre laser glace dans sa tronche de cake. C'est pas très efficace, mais est-ce que t'es paralysé par le plus grand des hasards? Ça se passe exactement comme je veux, c'est trop bien. Yes! Il est paralysé, il joue pas. Maintenant, avec ce tour là, on va en profiter pour ressusciter quelqu'un. Avec le Noctali. C'est pour ça que Noctali est trop fort. On peut ressusciter Entei par exemple. Mentali. Mentali fait des gros dégâts et il est très rapide. Et là, on va au Boréal, le Rafflesia, qui va probablement nous tuer derrière. Ah ouais,
Bon, là c'est chaud. Je pensais que je ferais plus de dégâts. Giga sans suite, bon. Sukun est mort, mais il est bloc poison. C'est pour ça que j'ai ressuscité Mentali. Mentali, Psycho ou le one shot, a priori. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner le Mentali avec le Noctali. Et on va attaquer le Rafflesia. Il faut que je tienne un pouvoir antique par contre. Parce qu'a priori, c'est Mentali qui le prend là. Mais les midlife, je pense qu'il peut le tenir quand même. Bomberk, c'est pas efficace. Ça va. Voilà, donc là c'est bon. Donc là on soigne. Voilà. Et là on one shot. Yes. Ça joue bien là, hein. Il y en a là-dedans. 51, trop fort. C'est Noctali le carry. Hein. Il permet à tout le monde de maintenir l'équipe. Cacturne. Là, ça fait chier par contre. Cacturne, il est ténèbre. Donc il va éclater. Il va éclater Mentali. Donc là, on va rappeler Entei. Avec le dernier appel qu'on a. On peut pas psycho le. On peut pas psycho le capture. Donc on va psycho le Basilis. Très bien, j'accepte volontiers. Point d'art. Ok. Ça va nous faire mal. Ça va. Si c'est comme ça, on va morsure le capture et on va juste switch en fait là. Point d'art, il peut pas nous faire très mal. Entei le tient, c'est sûr. Comme ça, on garde Mentali en vie en plus. Puis si jamais il n'y a pas de heal, toujours pas de heal. Même si quand même là, je pense que ça pourrait être heal. Parce qu'il a dit que c'était le dernier adversaire. Pas très efficace, mais on peut le flinch. Point d'art, bon. Pas très grave. Voilà. Bah là on peut soit faire force cachée pour essayer de le paralyser. Et si on touche avec des flagrations, on l'a tué. Il est dead. Il est dead le bail. Nice. L'orage gronde. Ah mais oui, il pleut de ouf. Incroyable. Et c'est comme ça qu'on gagne un combat de Pokémon, les amis. Cette force, tu n'es pas un tendre. Un bon tacos avec des tendres là, sauce samouraï. Ça me donne envie là, d'un coup d'en parler. Je suis pas le champion de Pokémon Stadium 1 et 2 pour rien, tu vois. Bravo, bravo, vraiment superbe. Tu pourrais facilement devenir dresseur professionnel. Tu atteindrais sans doute le rang de dresseur star sur le champ. Je te le proposerais bien, mais je n'ai pas le cœur assez grand pour ça. Je vais te faire connaître la pire des humiliations devant cette foule. Ah! Ah! Sans heal, du coup. Ah, je crois qu'ils sont heal. Fais voir. Ok. Bon, c'est jouable alors. Déjà, toi tu vas mordre Gardevoir. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique. J'imagine que c'est fait exprès, mais je trouve ça très bizarre. Et toi, tu as Psycho Brazegali. C'est super efficace. Les deux sont super efficaces l'un sur l'autre. Donc prends ça dans ta tronche. Meurs même, tant qu'à faire. Là, merci Brazegali. Bisous hein. Ouais, c'est ça, tu sais. Ok, morse. Combien ? Tonnerre. Ok. Tu vas pas nous paralyser, donc du coup, et si tu nous paralyses, il y a synchro de toute façon. Donc, allez, morsure. Prends ça dans ta tronche. Bon, ça fait mal, mais ça fait pas aussi mal que ce que je voudrais. Noctali, tu vas rester là-dessus.
toi tu vas psycho tout simplement le Kamors, on s'en fout. Allez hop. Spécial plus. D'accord, donc du coup tu joues pas, très bien. Spécial plus, ok d'accord, tu veux vraiment te placer. Dans ce cas. Ah, il le tient bien quand même. Hein. Là, on a un problème là. Là, on a un problème là. Oh, un petit crit, ça aurait pas fait de mal là. Au moins pour le garde-voir. Bon. Tu peux pas attaquer le Noctali de toute façon. Il va tanker quoi que tu fasses. Et toi. Toi, je sais pas si tu vas attaquer sur le physique ou pas. C'est ça le problème. Mais franchement, on s'en fout. Défense SP qui baisse, s'il te plaît. Tant qu'à faire. Ouais, wow, remarque, à ce stade, ça change plus rien. Tonnerre, donc c'est toujours une attaque spéciale. C'est toujours sur lui. Bon, d'accord. Il a attaqué avant d'être mis KO. Donc en vrai, on s'en fiche. C'est pas très grave. Vu qu'il y a Kemors en face, on va plutôt envoyer Suicune au cas où il fait une attaque glace ou eau, je pense. Et vu que Gardevoir il va être mis KO, on n'a pas peur du tonnerre de toute façon. Donc on peut y aller. Bonjour, voilà. Ah, oh, cette drama queen, il prend des coups, il fait. Ok. Terraclope. Ok, il peut continuer d'attaquer avec, avec machin. Laser glace, sur qui? Le but, ça va être de pas être gelé là. Après, normalement, je peux pas le prendre en. Si c'est pas efficace sur moi, mais bref. Morsure, ce sera sur Terraclope parce que c'est super efficace. Et honnêtement, Surf, hein. Je kiffe l'OST. Ouais, moi aussi. Je l'aime bien celle-là. Meurs. Ah ouais, vraiment pas efficace du tout, d'accord. J'ai abusé, j'aurais pas dû faire ça du coup. La morsure, elle est super efficace. Il y a moyen que le Terraclope il ait peur et qu'il joue pas du coup, ça m'arrangerait honnêtement. S'il te plaît. Attraction. D'accord. Sur qui? Sur Noctali, je crois. T'as pas le choix de façon. Ouais. Ok. Onde folie. Sur qui? Oh, un galopat, tiens. Un galopat, c'est cool. Je vais essayer de l'attraper. Galopat. Alors, en vrai, c'est un tour un peu chiant. Parce que là, les deux sont susceptibles de ne pas attaquer. C'est un problème. Je vais faire tornade au cas où, mais. Attaque, s'il te plaît, quand même. Aïe, 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 aïe. Là, les gars, ça, ça sent mauvais. Ouais, mais on s'en fout parce qu'on attaque l'autre. Ah, super. Et peur. Et la trouille, ne joue pas. Va voir si j'y suis. Toi, tu vas le tenir tranquille, on s'en fout. Ouais, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Il a la trouille, ça c'est très très bien. Toi tu vas attaquer Kemors maintenant et on va faire surf en fait. Si tu touches avec surf, t'es vraiment beau gosse, s'il te plaît. Merci! Merci! Allez, il faut toucher avec morsure aussi par contre. On se débarrasse des deux en même temps. Un crit là, ça aurait pas été trop fur. Wow! Il a fondu le truc. Xatu. Ok, Xatu, on peut continuer de l'éclater avec les deux qu'on a là, c'est très bien. L'amour empêche Noctali d'attaquer. Fuck. Oh, tu l'as eu le galopa, bien joué. Bon, qui le prend? Ok. Ok, dans ce cas, on va le soigner. On peut pas se permettre de le perdre. On va juste le mettre une hyper popo. Allez, fais A. Voilà, très bien. On peut onde boréale le Xatu. Ou surf en essayant de tuer les deux comme ça afin de Kemors. Psycho c'est forcément pour Suicune. Ok, on le tient. Surf. S'il te plaît. Dommage. Là, ça, ça nous arrange vraiment pas du tout. Coup critique. Évidemment. Je l'ai tant qu'à faire. Faut re-soigner le. On va sacrifier le Suicune parce qu'on peut plus rien y faire là.
Comme le Xatui commence en premier, il va faire... Voilà, je savais qu'il allait attaquer le Suicune, donc ça, ça va à rien. Donc autant l'attaquer et prendre un laser glace. On espère que ce soit pas un crit. Et du coup, on peut envoyer Entei par contre cette fois. Entei, il peut finir n'importe qui là. Donc c'est bien. Allez, attaque quand même, c'est pas grave. Oh. Il faut vraiment qu'on le tombe lui. Hein. Voilà, très bien. Très très bien même. Alors Noctali, tu vas attaquer Xatu et toi, tu vas attaquer Kemorse. Hyper potion, évidemment. Au dernier moment. Après, il a bien raison. Bon. Bah, prends ça. Ah, c'est nul à chier comme dégâts. D'accord, très bien. C'est noté. Kemorse, t'es glace ou t'es eau glace? Je vais regarder tout de suite. Parce que dans le cas où t'es juste glace, tu vas te manger un déflagration des familles. C'est qui l'a pris? C'est Entei, évidemment. Évidemment. Alors, Kemorse. T'es eau glace. Donc c'est neutre sur toi. Bah après, si c'est neutre, en vrai, ça me va aussi. J'aurais peut-être même dû faire Zénith, mais bon. Ok, t'es passé à travers la confusion, s'il te plaît, touche avec déflagration par contre. C'est tout! Mais comment on le fait pour le battre, lui? Oh, ça c'est très bien. Comment on fait pour le battre? Oh là 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 là. Oh, et le jeu il fait que planter là. C'est bon, arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, fais morsure, tue le Xatu, toi. Merci. Ok. Le problème c'est que ça dépend c'est qui le dernier là, parce que... Ouais. Métalos. Bon, en vrai ça va. Il est obscur, on s'en fiche. On n'a pas besoin de l'attraper. On l'a déjà. Cascade, mais Entei il est mort. Et j'ai plus de rappel. On va perdre le combat. Je préfère vous le dire, on a perdu là. Ouais. Ouais, là on a perdu. Là on a perdu. Ok. Il faut que... Il faut que ça passe. Il faut que le triple pi passe sur le Kemorse, sinon on est mort. Il faut qu'il survive à Psycho le Capoeira, et c'est improbable. Ouais. C'est ce à quoi je m'attendais. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on refasse les 5 combats, quoi. Putain. Oh là là. Sérieux? Oh. Prends pas de chance. Attaque-toi. C'est abusé. Alors on peut encore gagner hein. Mais juste c'est vu que le son saute par moment, mais juste pas la foule pour les effets, mais vraiment c'est pas un bug qui a pas de musique. Non non, ça saute par rapport à mon boîtier d'acquisition, c'est l'image, le retour de l'image qui saute. Mais ça a rien à voir avec le jeu, c'est pas la GameCube qui fait galérer, c'est pas la lecture du CD ou quoi que ce soit, c'est vraiment le retour. Donc en vrai c'est possible qu'il n'y ait pas juste pas de musique. Même si je trouve ça assez bizarre pour un dernier combat quand même, j'avoue.
Ok, vas-y. Oh là là. Mur de fer. D'accord. Attaque-toi. Merci. Maintenant brûle. Ouais, d'ouf. Non, mais je suis d'accord, il y a peut-être un bug. Hein. Mais ouais. Non, en vrai, c'est possible, c'est vrai. Charge nord. Je le tiens normalement. Le truc, c'est que je tiens peut-être pas le laser glace derrière. Je tiens peut-être pas le laser glace derrière. Il faut absolument qu'il s'attaque là. Les deux sont fous. Enfin, confus. Attaque-toi, s'il te plaît. Cascade. Cascade, cascade, je tire peut-être. Ok. On va se soigner tranquille. Attaquez-vous. Voilà. Toi, brûle. Il est plus confus. Mais c'est pas très grave parce qu'il va brûler. Est-ce qu'il meurt de la brûlure là? Et du coup je suis plus amoureux de personne. Donc je peux juste attaquer maintenant. Rayon lune. Tous les jours de l'année mon gars, merci. Merci, 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 merci. Grâce moi on s'en bat les couilles. Rayon lune c'est un heal. Les gars. Ça change tout le combat. Oh let's go. Allez. On va te paralyser toi. Paralyser confus et après on va te mordre. On en a rien à foutre. On va te cheese. Let's go. T'es confus, t'es paralysé mon gars. Va te faire foutre. Aïe. M'en fous! M'en fous! Allez, je me soigne! Allez, sois paralysé ou attaque-toi là, comme ça on est vraiment, on a tout gagné. Ah, dommage. Bon, allez, c'est pas grave. C'est bon, on s'en bat les couilles. Allez, c'est bon, prends ta morsure maintenant. Yes! Oh, c'était le combat le plus chaud du monde. Let's go! Il y a tout qu'à marcher. Après les gars, c'est vraiment parce que je suis vraiment le meilleur dresseur que vous avez jamais vu de votre vie, genre. Je suis trop chaud, genre. Il a la trouille, le nul. Ah, il est paralysé, confus, il a la trouille. Allez, dégage. Et voilà, coup critique, ça dégage, on a gagné. We're so back. Noctali, il a carry le jeu en entier, tout seul. Non mais exactement Bibi, trop fort. Quel idiot, je ne comprends pas comment. Moi non plus. Ouais. Non, c'est pas encore fini Yato. Encore une fois, tout de suite. Quel spectacle embarrassant, Jackie là. Ah, je suis désolé. Quoi? Jackie là s'excuse, mais pourtant c'est lui le grand chef. C'est qui celui-là encore? Wesh, c'est qui ce petit mec à la con là? C'est pas le maire de Fenacine, genre? Mais non. Bien, c'était un super combat que vous avez montré. Pour être franc, je pensais pas que vous auriez pu arriver jusqu'ici. Quoi, monsieur le maire? Mais que faites-vous là? Haha, t'as pas encore compris? Voilà une petite fille bien lente. Par moments, je suis le gentil maire, mais à d'autres, je redeviens le grand chef du maléfique groupe Ombre. C'est moi, le terrible Nosfrat! Oh, Evil Maire! Comment avez-vous osé vous mêler de nos affaires? Nous devons recommencer tout le plan Pokémon Obscur à zéro. Vous allez me le payer. Je vais vous massacrer. Vous ne mettrez pas de froid et de bâtons dans les roues! Bagarre là! J'espère que mes Pokémon ils sont soignés, hein. Ah, et là, il y a une musique. Oh
Point d'affaiblissement de rattaque. Ah ouais, il rigole pas. Niveau 60. On va se faire éclater la tête. Ok, tout le monde est soigné. Non, attends. Ouais, hein, ça ressemble, hein. Ouah ! Quoi ? Quoi ? Mais c'est un malade ! Ouais, Drataki est trop stylé. Ouais gros, là ça va partir faire un effort, hein. Aéropique évidemment, connard va. Ça y est, le même temps de fou et le true final boss qui arrive derrière. Ouais, c'est vrai que c'est stylé, mais bon, malheureusement, éclat de griffe. Malheureusement, ça change pas grand chose quoi. Là, on va vraiment se faire foutre, hein. Je vois pas comment on peut gagner ce combat, honnêtement. Peut-être comme ça. Alors c'est vrai qu'il est notoriously très lent. Qu'en vrai. En plus on le paralyse. Non. Ouais mais je peux pas switch in, c'est trop dangereux. Donc je vais essayer de gratter là. Putain, il prend aucun dégât, mon affaiblit. C'est pour ça que j'ai essayé de le rendre confus pour le voir janter. Aïe. Il est mort le Nuffel. Oh, il a attaqué Sukun. Je vais d'abord envoyer Raikou pour une bonne raison. C'est parce que mon affaiblit, c'est le tour où il joue là. Attaque-toi, s'il te plaît. Oh, il est intombable. Et là, je suis quand même plus rapide que Syriox, non? Non, même pas. Je suis pas plus rapide que Syriox, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Je suis obligé d'essayer de paralyser mon affaiblit là. J'ai pas le choix.
Là si je le paralyse gros, on est vraiment très 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 bien. Enfin très bien, non mais ça va genre. Il va pas s'attaquer 10 000 fois non plus. Hein. Claire griffe. Coup critique. Bon, c'est Raikou, c'est pas très très grave. On va argenter. C'est pas très efficace. Ah si si, sur Noctalis c'est super efficace. Putain. Bon bah là c'est fini les gars. C'est fini, c'est fini. Si je le brûle. Si je le brûle on est bien. Ouais. Bon après les gars ils sont niveau 60 hein. C'était pas possible. Il aurait fallu être le mec le plus clutch de l'univers pour que ça passe. C'est dans aucun monde ça passait genre. Dans aucun monde ça pouvait passer. S'il brûle, on a gagné. Dommage. Pris paresse là. C'est abusé hein. Ma cogneille 61 c'est encore pire. Dans cela. Ok gros. Wagada. Ah bon, bah voilà, là c'est pour... là c'est vraiment vraiment fini là. Il est haut, on peut rien y faire. Et ouais, ok, ça marche. Bon au moins on connaît à peu près son équipe. C'est pour ça que j'ai persévéré jusqu'au bout. Comme ça on connaissait un peu son équipe. Bah ouais hein. Ok. Bon bah écoutez les amis, on va partir sur cette défaite malheureusement. Non je pense qu'ils sont soignés, fais voir. Oui. Mais ouais c'était stylé hein. On a clutch et tout. J'imagine, je sais pas, on verra du coup la prochaine fois. Mais peut-être qu'on va tout de suite reprendre à ce combat précis. Et pas pas contre Jackie là. Ou qu'on aura peut-être pas besoin d'enchaîner les 4 combats avant et tout. Donc en vrai c'est intéressant. Ça peut être c'est stylé. On va pouvoir voir, voilà. Écoutez les amis, c'est ici que je vous laisse. On prendra notre revanche très bientôt. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.